عسلامة ومرحبا بكم شيب الحاج مراد. اليوم حصتنا موجهة لتلامذة التروازيام اني سيونس، ينجموا بالطبيعة يستفادوا منها ايجالمون تلامذة التروازيام مات وتلامذة التروازيام تكنيك اي انفورماتيك. في حصة اليوم دونك باش نصلحوا النموذج تاع ان دوفوار دو كونترول، هبطت لكم بريسيدامون لينونسي في لي جروب. دونك نبداو ديريكتومون في الكوريكسيون. دونك لهنا كيما تراو في ليكزيرسيس نيميرو 1، سيت ان ليكزيرسيس من نوع كسيير، عطانا اون فونكسيون اف ديفيني بار اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 1 سور فالور ابسولو اكس موان 2 لو تو موان 1. مطلوب منا سي دو ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون بروبوزي. بالطبيعة نعرفو الحالتين اللي نجمو نلقاو فيهم بروبليم ديكزيستونس، حالة الديفيزيون وحالة الراسين كاري. لورسكون اون ديفيزيون la condition est que le dénominateur soit différent de 0. في حين في حالة الراسين كاري, il faut que l'expression à l'intérieur du racine carré soit supérieure ou égale à 0. هنا, puisqu'on est dans le cas de la division, donc, je crois que f de x existe si et seulement si le dénominateur, les valeurs absolues x moins 2, le tout moins 1, soit différent de 0. دونك لهنا باش نحاول نشوفو الكونديسيون هذيا وين باش توصل. بالطبيعة سولا إيكيفو أ فالور أبسولو إكس موان دو سوا ديفيرون دو أن. بالطبيعة نعرفو لا فالور أبسولو دو إكس موان دو وقتاش تساوي أن، وقت لي إكس موان دو سوا أن وإلا موان أن. دونك لا فالور أبسولو دو إكس موان دو إي ديفيرون دو أن، سيتادير كو إكس موان دو إي ديفيرون دو أن، إي أون ميم طون x moins 2 différent de moins 1. Donc, question house, je trouve f de x existe si seulement si x moins 2 différent de 1 et en même temps x moins 2 différent de moins 1. Bien sûr, la condition finalement écrite sous cette forme. Donc, x moins 2 différent de 1, c'est-à-dire que x différent de 1 plus 2, c'est-à-dire 3, et en même temps x moins 2 différent de moins 1, cela veut dire que x différent de moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Par conséquent, f de x existe si seulement si x différent de 3 et x différent de 1. Donc le domaine d'existence de f, c'est tout R privé des réels 1 et 3. Yani là, c'est la première proposition. Donc je vais vous croire que la réponse à ça. Puis une question Fanny. Donc on a une fonction définie sur R étoile par f de x égale x carré moins 1 divisé par valeur absolue de x. Et le matelot, c'est de savoir est-ce que f pair, impair ou elle, ni pair ni impair. D'accord, donc, la condition de la parité de la fonction. On dit que f est pair lorsque quel que soit x appartient à l'ensemble de définition, moins x reste dans l'ensemble de définition. Ensuite, lorsque quel que soit x appartient à l'ensemble de définition, f de moins x égale f de x. C'est donc une nouvelle fonction pair. Je route que je compte fonction pair. Par contre, je compte fonction impair. الشرط الأول هو نفسه، يعني كل سوا x أبارت على أنسامبل دو ديفينيسيون، موانز x ريز دون أنسامبل دو ديفينيسيون، والشرط الثاني كل سوا x أبارتيان على أنسامبل دو ديفينيسيون، f دو موانز x يكال موان f دو x. دونك هنا نسلبتو في لي دو كونديسيون، نعرفو في الحالة هاذيا لأنسامبل دو ديفينيسيون هو R إتوال، وبالتالي كل سوا x أبارتيان على أنسامبل دو ديفينيسيون اللي هو R إتوال، أون موانز x أبارتيان à R étoile, c'est-à-dire reste dans l'ensemble de définition de F. هذا بالنسبة للشرط الأول اللي هو شرط مشترك الحالتين يعني pair و L impair. نمشيو توا للشرط الثاني. دونك on va voir lorsque X appartient à l'ensemble de définition, باش نشوفو F de moins X. دونك عندي دونك ثلاثة احتمالات، يا إما تساوي F de X في الحالة هذه باش تكون فونكسيون pair، ولا نلقاها تساوي موان F de X يعني في الحالة هذه باش تكون فونكسيون pair. Ou elle différent des deux, c'est-à-dire que la fonction, dans ce cas, sera ni pair ni impair. Donc, on chauffe f de moins x, yani, dans l'expression de f, chaque fois où on a x, on va la remplacer par moins x. Sur valeur absolue de moins x égale. Donc, il faut que moins x entre parenthèses au carré, et f c'est x carré, moins au carré, t'as une plus. Moins 1, ou valeur absolue de moins x, et f sur valeur absolue de x. بالتالي دونك باش يهزنا النتيجة التالية هي كون f دو موانز x يقال f دو x وذا كلك سوا x appartenant à l'ensemble de définition. Par conséquence f
est une fonction paire. بالطبيعة نحنا نرجعو لورقة السوجي ونحط كروا قدام الريبونس الصحيحة يعني f est une fonction paire. Bien, هذا دونك بالنسبة للكيستيون الأول والثاني. باش نمرو دونك للكيستيون C. Soit A et B deux points distincts du plan, l'ensemble des points M du plan tels que AM scalaire AB est égal à 1, est-ce qu'il s'agit d'un cercle, d'une droite ou elle d'un seul point? فيها règle générale, mais je me rappelle la situation qui fait que donc je considère le vecteur AB, هذا هو vecteur AB, ou هذه هي la droite qui porte le vecteur AB, et je considère un point M quelconque du plan, et j'appelle H son projeté orthogonal sur la droite AB. Donc, il coule AM scalaire AB égale à 1. Cela est équivalent à dire que AH plus HM scalaire AB il est égal à 1. Pour le développement, AH scalaire AB, AH scalaire AB, il s'agit de deux vecteurs collinéaires du produit mesure algébrique de AH fois mesure algébrique de AB plus HM scalaire AB, HM et AB, deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire de chacun 0, le résultat est égal à 1. Donc, pour trouver M, il suffit de trouver H. H, il y a un point de la droite AB et qui vérifie cette relation. Donc, il suffit de trouver le point H tel que le produit des mesures algébriques AH AB est égal à 1. Donc, la mesure algébrique de AH est égal à 1 sur la mesure algébrique de AB. Une fois donc, le point H, par exemple, là, donc M sera n'importe quel point situé sur la droite qui passe par H et perpendiculaire à la droite AB. Donc, le point M décrit cette droite, la droite qui passe par H, vérifiant cette condition et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc, l'ijab à souhait est toute une droite, ou بالضبط هي droite اللي حكيت لكم عليها tout à l'heure. هاي الصورة اللي توضح لنا كل شيء. Donc, H, c'est un point de cette droite AB et qui vérifie cette relation, mesure algébrique de H égale 1 sur mesure algébrique de AB. Voilà. C'est donc la première partie de l'exercice A. Ou بش نمرو توا للإكزرسيس numéro 2. Donc, dans cet exercice, on considère dans un repère orthonormé la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 5. Voici la courbe qui m'a traité comme une copie. On va compléter par vrai ou faux. Petit a, f est contenu à droite en 2. Donc, je chauffe le point d'abscisse 2 de la courbe. Le voilà. Qui m'a traité ce point de la courbe d'abscisse 2, il est relié à la partie droite de la courbe. Par conséquent, la fonction f elle est contenue à droite, à la droite, bien sûr, lorsque x proche de 2 en étant supérieur à 2. Donc, la réponse est vraie. Question B, quand f est contenue à gauche en 2. On trouve donc le point d'abscisse 2. On a déjà le point d'abscisse 2. On a en rupture avec la partie gauche de la courbe. Cela signifie que f elle est discontinue à gauche en 2. Donc, la proposition de l'exercice, بطبيعة, elle est fausse. Puis, quand f continue en 2, et qui de fonction continue en un réel, elle doit être continue à droite et à gauche. Et puisqu'ici, la fonction elle est discontinue à gauche, donc la fonction ne peut pas être continue en 2, ou بالتالي, الإجابة الصحيحة هي فو. Alors, quand f continue sur l'intervalle fermé moins 1, 2, l'intervalle ouvert, min moins 1, le 2, il est continu. Ça ne m'a pas d'interruption. Chart les bas, où ils mettent qu'on continue à gauche en 2 et à droite en moins 1. Lekin, comme on a tout à l'heure, la fonction f, il est discontinue à gauche en 2. Donc, la proposition, marra okhra, il est fausse. Ou sbab, comme f n'est pas continue à gauche en 2, avec alesh, elle n'est pas continue sur l'intervalle fermé moins 1, 2. Ensuite, Ali f continue sur l'intervalle fermé de 5. Presque comme elle fait, donc, chart l'aul, elle doit être continue sur l'intervalle ouvert de 5. Avec l'intervalle de 2 le 5. Avec la restriction de la courbe sur cet intervalle. Qui mettra la fonction sur l'intervalle ouvert de 5 continue.
charte fini, elle doit être continue à gauche en 5. Hayel, donc le point de la courbe d'abscisse 5, f est continue à gauche en 5. Ou charte thalith, elle doit être continue à droite en 2. Et tout à l'heure, on a dit que f est continue à droite en 2. Donc, la proposition est correcte. Ou bêtez les réponses. Je passe à la dernière partie donc de cet exercice. Quand est complété, donc je vais vous l'image d'un réel et les images de certains intervalles. Donc, on va mettre la courbe en face, on va commencer par l'image de 2. L'image de 2, je vais vous mettre de là ou de là, et je vais vous mettre de là. Ici, comme vous voyez, j'ai une note millienne. Et ici, un arc de cercle. Quand vous avez une note millienne, c'est-à-dire que le point appartient à la courbe, puis il y a un arc, il s'agit d'une extrémité non atteinte. Donc, l'image de 2, obligatoirement, ils m'ont appris de là. Je vais vous mettre de là, faites attention. Donc, l'image de 2 par la fonction f, je vais vous mettre de là, on a la réponse de là, est 1,5. Ensuite, atteignez l'intervalle de 5. L'intervalle est de 5, vous allez me dire, je vais vous l'image de l'intervalle de 5 par f. La fonction sur l'intervalle de 5, comme on a dit tout à l'heure, il est continu. Sur cet intervalle, où l'intervalle il est fermé borné, on a vu que l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle qui faut que je compte fermé borné, qui fait que je n'ai le minimum et le maximum de la fonction sur cet intervalle. Sur l'intervalle de 5, le maximum il est atteint en ce point, où le maximum est 3, c'est le maximum, ou le minimum, il est atteint en ce point où le minimum est 3. Par conséquent, l'image de l'intervalle de 5 ou l'intervalle fermé borné, moins 3, 3. L'intervalle moins 1, 0. L'intervalle moins 1, 0. L'intervalle, la fonction qui donc, la fonction elle est continue. Donc, l'image d'un intervalle, obligatoirement, ce sera un intervalle. Haja okhra. L'intervalle avec la fonction est strictement décroissante. Donc, l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite moins 1, 0, je connais l'intervalle, je te fais le sens en terme. C'est la fonction décroissante. Je n'ai la trace en terme. Comme l'extrémité atteinte est moins 1, donc l'extrémité atteinte, je connais déjà l'autre, est f de moins 1, ou f de moins 1 qui m'a traité, donc l'extrémité est 2. في الجهة الأخرى كما قلنا الانترفال اللي يسمي أوفر يعني زيرو ماهوش موجود في الانترفال دونك ما عادش نجم نحكي على ليماج دو زيرو رغم اللي زيرو أدمي أون ليماج بار إف لكن لهنا بويسكو الانترفال اللي توفر من جهة الزيرو دونك أوليو دو بارلي دو ليماج دو زيرو باش نحكيو على لا ليميت دو لا فونكسيون إف كونت إكس تنفير زيرو أغاش شوف لهنا لا ليميت دو إكس كونت إكس تنفير زيرو أغاش إيش كوانسيد أفيك ليماج دايور على خاطرها كونتوني أون زيرو في المطلق والفالور هو موانز 1 ou l'éjeve donc je compte si l'intervalle soumis ouvert à gauche moins 1, 2. Ok, donc on joue à la première partie de l'exercice, partie QCM et la partie vraie ou faux. Je m'en l'exercice suivant, t'entends une fonction définie sur R par F de X égale 3 sur X carré plus 2, le tout moins 1. Matlob maintenant, dans un premier temps, de démontrer que f est minoré par moins 1 et elle est majorée par 1 demi. Voilà, l'air de hache. Quand il y a un majorant ou elle, un minorant, ou il y a un minorant, ou il y a un minorant, ou il y a beaucoup plus simple. Il suffit d'effectuer la différence entre f de x et le majorant ou elle, un minorant, et de déterminer le signe de cette différence pour tout x appartient au domaine de définition. Bien sûr, c'est tout R. دونك المسألة كما تراو ماهيش باش تكون كومبليكي نبداو بالكال الأولاني دونك كيلك سوا إكس أبارتونون أ إر باش نحسب إف دو إكس موان موان زا لكن لا ديفيرونس كيلك سوا إكس أبارتونون أ إر إي بوزيتيف سولا سينيفي كو إف دو إكس إي سوبيريور إيكال موان زا كيلك سوا إكس أبارتونون أ إر وبالتالي إف سورا مينوري بار موان زا دونك هذا هو التكنيك اللي باش نستعملوه في الحالة هذه ونفس الشيء تقريبا راه باش نطبقوه في حالة majoration par 1 demi. نأكد مرة أخرى تكنيك هذا نستعملو كي تعطيني المينورون وإلا عطيني الماجور وقتاش ربما ثم أمتي بروبليم يتطرح وقت اللي ما يعطينيش المينورون ولا الماجور وحنا اللي باش نطلعو وقتها ثم تكنيك آخر نستعملوه ديجا مهبط سيري سابقا
في الموضوع هذا لا جينيراليتي سو لي فونكسيون ونفسر فيه بالتفصيل كيفاش نطلعوا المينورون والماجورون لورسكي ني با دوني بار ليكزارسيس. نواصل دونك الكالكول اف دو اكس موان زان هاك كيما تراو هذه اف دو اكس كامله كي تنحي منها موان زان باش تبقى لي ليكسبرسيون سويفون 3 سور اكس كاري بلس 2 بالطبيعة الكونتيتي هذه ستريكتومون سوبيريور ا زيرو كلك سوا اكس ابارتونون ار دونك اف دو اكس الي سوبيريور ا موان زان كلك سوا اكس ابارتونون ار كيما تراو الفاسون هذه اون ا فيريفيي كو اف الي مينوري بار موان زان دايور سو مينورون ني با اتان خاطر لا ديفيرونس نو با با اتاندر زيرو دونك يبقى مينورون ماهوش باش يكون مينيموم دايور شنو الفرق ما بين مينورون والمينيموم المينوران هو فالور كي تنفريور على فونكسيون لمي لورسكي سورا اتا في وقت من الاوقات وقتها يتحول ويولي مينيموم دونك اون فونكسيون بو افوار بليزيور مينوران لكن اذا عندها مينيموم المينيموم يل سورا تونيك الجزء الثاني كلك سوا اكس ابارتونون ا ار اون فا فيريفي كي لي ماجوري بار ان دومي دونك جو في افيكتوي لا ديفيرونس اف دو اكس موان زان دومي يعني 3 sur x carré plus 2 moins 1, on a trahmenha 1 demi égale donc 3 sur x carré plus 2 moins 1 demi yani moins 3 demi b'tbia la quantité hadaya elle est inférieure ou égale à 0. Pourquoi? Il s'agit d'une soustraction entre deux fractions dont ils ont le même numérateur 3. Donc, il suffit de comparer les dénominateurs. Donc, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 2, il est toujours supérieur ou égal à 2. Et là, je me connais, oui, lorsque je prends x égal à 0, avec un échec supérieur ou égal. Alors, en inversant, les deux nombres sont positifs. Donc, en inversant, le sens d'une égalité, je dois aller 1 sur x carré plus 2, il est inférieur ou égal à 1,5. Ensuite, je multiplie par 3, que 3 sur x carré plus 2 est inférieur ou égal à 3,5, d'où la différence est inférieur ou égal à 0. Donc, finalement, je peux en déduire que quel que soit x appartenant à R, f du x il est inférieur ou égal à 1,5. La conclusion est donc, et que quel que soit x appartenant à R, f du x, il est inférieur ou égal à 1,5. Et par conséquence, f, la fonction f, il est majoré par 1,5. Est-ce qu'on peut atteindre cette majoron 1,5? Bien sûr, oui. Kemarina Fiuski Khedma, on va l'atteindre lorsque x est égal à 0. Si je prends x est égal à 0, la différence, soit que je dois aller 3,5 moins 3,5 égal à 0, et par conséquence, f de x est égal à 1,5. Donc, pour x égal à 0, on sait que f du x, dans le cas là, il est égal à 1,5. Donc, 1,5 est le maximum de f sur R. Alors, comme ça, on a prouvé que f il est minoré par moins 1, qu'il est majoré par 1,5. Moins 1, c'est un minorant, mais ce n'est pas un minimum. Et 1,5, il est à la fois majorant et maximum. Nous ensuite la partie B. Donc, atteignez la fonction g définie sur R par g de x égale moins x au cube moins x plus 1,5. Dans la première question, allez justifier la continuité de g sur l'intervalle 0. Donc, on va appliquer la continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc, il faut que la fonction g c'est un polynôme. Ou bien, pour la règle suivante, tout polynôme il est continu sur R. Et il est contenu par conséquence sur tout intervalle de R. Donc, je l'écris. G est un polynôme. Donc, il est contenu sur tout intervalle de R. En particulier, voilà, donc en particulier sur l'intervalle proposé par l'exercice, sur l'intervalle 0,1,
même quand nous jouons la question A, fait partie. Bien. Ensuite, montrer que g est décroissante sur l'intervalle 0. Pour montrer qu'une fonction est décroissante sur un certain intervalle, d'accord, règle, les nakhdmou c'est de prendre deux réels A et B de l'intervalle, tel que A inférieur ou égal à B. Ensuite, on va comparer entre l'image de A et l'image de B. Si g de A est inférieur ou égal à g de B, cela veut dire que g est croissante sur cet intervalle. Lorsque g de A est supérieur ou égal à g de B, cela veut dire qu'elle est décroissante sur cet intervalle. Donc, je tape pour démarche le côté. Donc, j'écris soit A et B de réel tel que A appartient à l'intervalle 0,1, virgule, B appartient à l'intervalle 0,1. Et bien sûr, je vais faire de sorte que A inférieur ou égal à B. Donc, cela signifie que je vais faire une comparaison entre G de A ou G de B. Maintenant, c'est G de A est moins A au cube moins A plus 1,5 ou G de B est moins B au cube moins B plus 1,5. Donc, pour que moi, nous, A inférieur ou égal à B, ou A ou B, tous les deux sont positifs. Donc, cela signifie que A au cube inférieur ou égal à B au cube. Pour que moi, nous, A ou B, tous les deux positifs. Ensuite, donc, je vais effectuer l'addition. A au cube plus A, elle reste inférieure ou égale à B au cube plus B. Finalement, je mets les deux termes inférieurs. Donc, leur somme, je trouve inférieure ou égale à la somme des deux termes supérieurs. إذا ضربنا في السيني موان شنو اللي باش يصير باش تولي لي موان ا او كوب موان ا سوبيريور ايغال ا موان بي او كوب موان بي بار كونسيكونس اون اجوتون ان دومي من جهتين السونس دو نيغاليتي ما يتغيرش نلقاو فينالمون كو جي دو ا دوفيان سوبيريور ايغال جي دو بي دونك انطلقنا من لو فات كو ا انفيريور ايغال بي وصلنا جي دو ا سوبيريور ايغال جي دو بي وهذايا يعني كو لا فونكسيون جي اللي décroissante sur l'intervalle proposé, yani l'intervalle 0. Puis, Tamrin de déduire, donc, question C, que l'équation g de x est égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle 0. Donc, on a donc, on n'est pas censé de déterminer la solution ou les solutions de l'équation. Juste, on doit justifier qu'il y a une solution dans cet intervalle. Donc, le théorème que je vais utiliser là, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème avait dit qu'il y a une justification de l'existence d'au moins une solution ou d'une seule solution. Donc, le théorème. Si vous avez une fonction f définie sur un intervalle AB, vérifions les conditions suivantes. Deux conditions. Elles auraient qu'on continue sur cet intervalle. Tenez les images des bornes. Il connaît de signes contraires. Yani, le produit de l'image de A et l'image de B est négatif. Et en appliquant ici le théorème des valeurs intermédiaires, je peux en déduire que l'équation f de x ou la g de x qui est égale à 0 admet au moins une solution dans cet intervalle. Mais si j'ajoute une troisième condition, il y a la monotonité de la fonction sur cet intervalle. Je m'entends monotone, soit qu'elle est décroissante, soit elle est croissante entièrement sur cet intervalle. Il a tahaqqaq donc shart thalith ba, je peux en déduire que cette solution est unique dans cet intervalle. Nchoufou donc lehna kima traw fi nas soual qal li une seule. Donc lehna yelzemna nous nusbtou l'existence et l'unicité. Wada yestawjeb tahaqqaq li trois conditions. Donc nabdaou condition par condition. Awlan la continuité. Est-ce que j'ai continué sur 0,1? Oui, wada jawbna li fi question petit a lehna. Donc j'ai continué sur l'intervalle 0,1. Charte thème, il y a les images des bornes, donc l'image de 0 et l'image de 1, واحدة قل من 0 والأخرى أكثر من 0, واحدة négatif, واحدة positif. ويزم نحسبهم بالحق. Donc, مش نعتبر روح حسبتهم. Non, يزم نحسبهم pour tout bon. G de 0 هي moins 0, moins 0, plus 1,5. Ça fait 1,5 qui est positif. في حين, كي نجي نحسب l'image de 1, مش نلقاها moins 1, moins 1, plus 1,5. يعني مش نكتبها. وبالطبيعة موانزان موانزان plus 1,5
qui est moins 3,5, qui est un réel négatif, qui est moins 3. Donc, qui n'tabaka le théorème des valeurs intermédiaires, chaque moubacher, je peux déduire qu'il existe au moins une solution de l'équation g de x égale à 0 dans l'intervalle 0. Question B est que la fonction g elle est décroissante sur 0, yani elle est monotone. Donc, je l'ajoute. G est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc, je peux en déduire que l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution. Je vais nommer cette solution alpha et cette solution appartient à l'intervalle 0. Donc, dans cet exercice, on veut en savoir cette solution, est-ce qu'elle est dans l'intervalle 0,1/2 ou bien dans l'intervalle 1/2. Déjà, je vais faire la schématisation, elle est 0, elle est 1. Nous l'alpha se trouve entre 0 et 1. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux savoir dans l'intervalle ou dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'image de 0. هنا باش نعتبر x وهنا جي دو x. وقت اللي حسبنا توتالور ليماج دو زيرو كانت تذكروا لقيناها بوزيتيف. وقت اللي حسبنا ليماج دو 1 لقيناها نيجاتيف. دونك اون اوتيليزون لو تكنيك دو لا ديشوتومي il suffit de calculer l'image de 1/2 pour en déduire la position exacte de alpha. تو انا قبل ما نحسب ليماج دو 1/2 عندي قدامي زوج احتمالات. ربما نلقى ليماج دو 1/2 بوزيتيف. هنحط بلوس. ماذا زعما الالفا وين؟ زعما الالفا لهنا والا لهنا. احنا قلنا دابري لو تيوران فالور انترميديير باش تضمن وجود حل ما بين ا و بي يلزم لي زيماج دو ا و دو بي وحده نيجاتيف وحده بوزيتيف. دونك لو كان نلقى ليماج دو 1/2 بوزيتيف نبدا كاك ضمنت الحل لهنا خاطر ليماج دو ا نيجاتيف ليماج دو 1/2 بوزيتيف دونك بيناتهم ثم سوليسيون. في حين ما بين الزيرو وال 1/2 مانيش متاكد ثم ولا ما فماش حل وحكم لا سوليسيون ايتونيك. Donc, obligatoirement, elle sera sur, dans cet intervalle. Fihin, lequel n'a pas l'image de 1/2, on n'a pas un négatif. Ah, qu'est-ce que je te bats de tu vois, le temps de l'hal, mazmoun, entre 0 et 1/2, khatr kema qu'on a l'image de 0 est positif, ou l'image de 1/2, censé, je compte, l'hal est négatif. Donc, maintenant, je vais me carrer, tawa, qu'en m'a pas d'abord l'image de 1/2. L'image de 1/2, moins 1/2 à la puissance 3, car moins 1 sur 8. Ensuite, moins 1/2, plus 1/2, ou qui m'a après simplification, c'est un réel négatif, yani, qui m'a connu tout à l'heure, la solution alpha, elle est entre 0 et 1/2. Voilà. Donc, ce technique que j'ai utilisé ici, que c'est la dichotomie, ou à quelqu'un un encadrement d'amplitude, 1/2, l'amplitude, ou la différence entre les bornes de l'intervalle. Bref, cette technique, et on peut trouver un encadrement de la solution d'amplitude le habari. Il y a un encadrement d'amplitude 0,1. Il y a une phare la trafe sur face l'ouest. Donc, on commence. L'image de 0 et 1,5. J'ai maintenant l'image de 0,3. J'ai de 0,3. L'image de 0,3 n'a pas positif. La solution entre 0,3 et 0,5. نكون لقيت انكادرمون دامبليتود 0,2 و ainsi de suite حتى اللي نوصل نحصر الحل في انترفال باللامبليتود اللي نحب عليه. جيسبر انو ليكزيرسيس يكون هكا بيان كلير بور تو لو موند. اي اون فا فوار مانتنون لو ديرني اكزيرسيس دو سو دوفوار.